Let me begin my moderator's duty by inviting the first debater, which is Jan Agila, which will talk to us about this most important element, which is using the pact principles to reinforce the other legal instruments. Jan, the floor is yours. Thank you very much, Maria Magdalena. I just want first to thank very much Pascal Durand and Joe Linen and the European Parliament for this fantastic meeting. In this crucial period, it's very important to have the European Union united. We need the union of the European Union because, as you may know, at Nairobi, the negotiations are a little bit difficult, and at least European Union has to be united. Maybe I'm going to switch in French because it's more simple for me to speak in français. Il y a tellement de choses à dire en 10 minutes que ça va être difficile. Je voulais juste d'abord d'un mot pour expliquer très simplement ce qu'est le pacte. C'est un travail de codification des textes de droit souple qui existent déjà et qui consacrent des principes consensuels. Vous connaissez sans doute, par exemple, la déclaration de Rio qui contient des principes généraux en matière d'environnement. Mais ça n'est qu'une simple déclaration. Et donc le pacte mondial pour l'environnement, ce serait un texte qui viendrait consolider les acquis dans un texte à valeur juridique, dans un véritable traité international. Et ce chemin du droit souple au droit dur, on l'a déjà fait dans un autre domaine, en matière de droits de l'homme. On a un très bel exemple avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui n'avait pas de valeur juridique obligatoire, et qu'on a transposé en quelque sorte dans, alors non pas un, mais deux pactes internationaux, les pactes internationaux de 1966, on en a fait deux parce qu'à l'époque il y avait la division Est-Ouest, donc il y avait le pacte international sur les droits économiques et sociaux, pour l'Est, et le pacte international sur les droits civils et politiques, pour l'Ouest. Et ce sont ces pactes internationaux, aujourd'hui de 1966, qui ont une véritable valeur juridique et qui sont invoqués devant nos juridictions. Lorsque j'étais au Conseil d'État, j'ai eu l'occasion de voir souvent des requérants invoquer les pactes internationaux de 1966 dans leur litige. Et donc, c'est vrai qu'il y a une idée simple, tellement simple qu'effectivement, comme le disait Daniel Caïra, on se demande pourquoi ce n'est pas la Commission européenne qui l'a eue, c'est de faire le même chemin avec la déclaration de Rio. Et de dire, après les droits économiques et sociaux, après les droits civils et politiques, il y a une troisième génération de droits fondamentaux et de devoirs fondamentaux qui exigent un troisième pacte pour donner un outil juridique pour les citoyens, pour les ONG, pour les entreprises aussi, pour donner un cadre juridique universel en droit dur, donc, aux grands principes directeurs de l'environnement. J'ai été pour ma part surpris, en vérité, de voir des hésitations et des réticences du côté de certains États. C'est normal, d'ailleurs, on découvre cette question et les gens s'interrogent. Et j'ai un peu le sentiment que les personnes qui peuvent mieux expliquer à quoi servent les principes, parce que c'est un pacte qui consacre des principes généraux, ce sont les juristes. Et il est très frappant de voir que dès qu'on parle avec des juristes, des juges, des avocats, des professeurs de droit, tout de suite, les juristes comprennent bien l'intérêt d'un tel pacte. D'ailleurs, au passage, je vous invite, vous avez vu peut-être la documentation à l'entrée, à jeter un œil sur l'appel des 100 juristes qui appelaient à voter, à adopter ce pacte mondial. D'ailleurs, il y en a plus que 100, il y en a 120, je crois. Et vous verrez, ne serait-ce que les noms des signataires, et encore,
c'est limité. Vous verrez que, avec le président Fabius à leur tête, vous avez ici une liste parmi vraiment des juristes les plus renommés en droit de l'environnement et en droit international, qui appellent à adopter un tel texte, parce que les juristes comprennent bien l'utilité des principes généraux dans un système juridique. Pourquoi avons-nous besoin de principes généraux? Parce que certains se demandent, mais ces principes sont tellement généraux que quelle peut être leur utilité concrète? À quoi servent-ils? Quelle est la valeur ajoutée? Added value? Non. Peut-être que pour simplifier aussi, la meilleure comparaison pour bien comprendre à quoi sert un pacte, c'est en Europe la Convention européenne des droits de l'homme. Ça montre bien quel est le mécanisme par lequel ce type de texte se diffuse dans tout un système juridique avec le temps, avec les années, peu à peu. Prenez la Convention européenne des droits de l'homme, elle a été adoptée en 1950. On ne s'est pas réveillé le matin du 1er janvier 1951 avec tout qui avait changé. Évidemment, ce genre de texte nécessite des années pour modifier deux choses, peu à peu, pour se diffuser, pour, j'allais dire, fertiliser deux choses. Les lois, d'abord, il y a un premier impact sur les textes, sur les lois de chaque pays, et, deuxièmement, sur la jurisprudence, du côté des cours suprêmes, du côté des juridictions. Ce sont les deux grands impacts que peuvent avoir les principes directeurs du Pacte mondial pour l'environnement. D'abord un impact sur les lois et ensuite un impact sur les jurisprudences. Alors l'impact sur les lois, il est simple, c'est que pour traduire dans chaque système juridique les principes, chaque État devra adopter des lois de mise en œuvre mettant en pratique chacun des principes, le principe d'information du public. On va regarder quelles sont les lois en matière d'information du public, est-ce que l'accès à l'information est suffisamment respecté, le principe de participation du public, même chose, etc., etc. Avec un gros avantage, je crois, c'est que le fait que ce sont des principes généraux, justement le caractère général des principes, laisse à chaque État une marge d'appréciation nationale, parce que dans chaque État, avec sa culture, avec son système juridique, on n'a pas toujours la même manière de transposer ces principes. Et donc, justement, le fait qu'on ait des principes généraux est très respectueux de la diversité des situations nationales. C'est un des objectifs aussi du pacte, le respect de la diversité. Ça permet de concilier un besoin, d'une part, d'harmonisation, parce qu'on a besoin quand même d'avoir un socle commun, un cadre juridique universel de référence, mais en même temps avec le besoin de diversité et de respect de chaque culture. C'est le premier impact sur les lois. Deuxième impact sur les juges, sur la jurisprudence. Ici, il y a deux manières d'appliquer ou d'avoir un effet pour le pacte sur les cours. La première, ça serait l'application directe des principes du pacte. Elle est importante, je vais en dire un mot, c'est la question de l'effet direct du pacte, une question délicate. La deuxième manière, et qui est tout aussi importante, peut-être plus qu'encore importante, c'est le fait d'être un outil pour l'interprétation, pour la mise en cohérence du système juridique. Quand bien même le pacte n'aurait pas un effet direct, il est un instrument indispensable pour l'interprétation de l'ensemble des autres règles du système juridique. Alors, sur le premier point, la première fonction du pacte, c'est, et des principes, c'est l'application directe par le juge. Ici, c'est la délicate question de l'effet direct des traités internationaux. Est-ce que le pacte aura un effet direct? Moi, je crois que déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est une question nationale. C'est à chaque État, en fonction de son système juridique, par exemple, au Royaume-Uni, les traités n'ont pas d'effet direct, donc la situation sera différente. C'est une question qui appartient à chaque État. Ensuite, ce que je sais, c'est qu'en France, où on a un système moniste, où les traités peuvent avoir un effet direct, il est probable qu'une bonne partie des principes du pacte soient regardés comme d'effet direct. Comme vous le savez, il y a deux conditions de l'effet direct. Une condition de fond, il faut que les principes concernent par leur contenu les particuliers, les citoyens et pas seulement les États. Bien sûr, c'est le cas
du droit à l'environnement sain, c'est le cas du devoir de protéger l'environnement. Ça ne concerne pas seulement les États, ça concerne aussi les acteurs non étatiques. Donc cette première condition est remplie. Et la deuxième condition, c'est une condition plus de forme, il faut que les obligations soient claires, précises, self-executing, comme on dit, et chaque juge appréciera, mais on peut penser que pour certains des principes, ils pourraient être regardés comme étant des faits directs. Mais juste une observation sur ce point. Donc en disant que le débat est ouvert hein, sur ce premier point. Mais sur ce point, je crois qu'il ne faut surtout pas confondre la notion de généralité d'un principe avec la notion de normativité d'un principe. Un principe peut être général et en même temps avoir une valeur juridique et être normatif, et être invoqué devant le juge. Et la meilleure preuve, c'est, Luc Lavrissène pourra le dire, c'est devant une cour constitutionnelle, les principes constitutionnels, par construction, sont toujours très généraux. On a rarement des règles très précises au niveau de la Constitution. Et pour autant, ils sont quand même applicables. Donc il n'y a aucun problème pour un juge à appliquer un principe général. Ça, c'est la première fonction, l'application directe par le juge. Deuxième fonction, j'espère que je ne suis pas trop long, deuxième fonction, c'est le fait que les principes, et donc les principes du pacte, mais les principes en général dans un système juridique, sont un outil de mise en cohérence du droit, un outil d'interprétation du droit. Et là, c'est très visible pour le pacte mondial. Juste une petite parenthèse, parce que j'ai un peu l'impression que notre table ronde, c'est des juristes parlent aux non-juristes. C'est pourquoi pour nous, les juristes, c'est très important. Pourquoi il y a 120 juristes qui ont appelé? C'est parce que nous, on sait bien que le droit, en vérité, contrairement à ce qu'on peut croire peut-être quand on écrit des règlements, des décrets, le droit, vu du côté du juge, ne se présente pas du tout comme un ensemble bien ordonné, rationnel, comme un jardin à la française. Il se présente plutôt comme un ensemble et un foisonnement de normes contradictoires qui s'enchevêtrent, des décrets, des lois, des textes internationaux, des textes européens. C'est plutôt un parc à l'anglaise, le système juridique. Et donc, pour arriver à mettre en ordre tout ça, on a besoin de principes généraux. Le juge utilise les principes généraux pour donner deux illustrations concrètes. Premièrement, pour interpréter des règles spéciales, des règles précises. Quand on est face à une règle spéciale qui n'est pas claire, qui a deux interprétations possibles, l'interprétation grand A et l'interprétation grand B, on choisit toujours l'interprétation qui est la plus conforme aux règles supérieures et notamment aux principes généraux. C'est la règle de l'interprétation conforme. Et donc les principes aident à interpréter les règles. C'est un exemple qu'on pratique tous les jours dans les juridictions. Deuxième exemple, le dialogue des juges entre la Cour suprême du Royaume-Uni, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour constitutionnelle. Toutes ces cours dialoguent entre elles autour d'un socle de valeurs communes, d'un socle de principes communs. Tous les jours, il y a des échanges de jurisprudence en jurisprudence. Quand un juge dans un pays se retrouve face à une question, c'est un réflexe qui se développe de plus en plus, il va aller voir qu'est-ce qu'on juge au Royaume-Uni, qu'est-ce que juge la Cour de justice, qu'est-ce que juge la Cour constitutionnelle de Belgique. Et donc, dans ce contexte, avoir un cadre commun de référence, avoir un pacte global unique, avec les mêmes principes au niveau mondial. Mais c'est un outil de dialogue entre les juridictions absolument extraordinaire, de pouvoir se référer aux mêmes principes, d'aller regarder quand je dois interpréter le principe de prévention, par exemple. Est-ce que je dois en déduire l'obligation d'une étude d'impact, par exemple. Aller regarder ce qu'on a jugé ailleurs, c'est extrêmement utile, et donc ce pacte peut être aussi un outil de dialogue. Pourquoi ? Parce que vous savez, on dit toujours qu'on interprète à la lumière des principes. On dit que les principes permettent d'éclairer. Donc les principes donnent de la lumière. Et je crois que le pacte mondial pour l'environnement, lui aussi, dans cette période un peu trouble, un peu sombre que nous vivons
aujourd'hui à l'échelle mondiale, je crois que le pacte mondial pour l'environnement, lui aussi, peut donner un peu de lumière. Merci.